Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR. Comment ça va, fou? Ça va très bien et toi? Ça va très très bien, même si on a un petit peu faim, mais c'est pas grave, on est là pour vous présenter Hinata Control, la chérie de Naruto, mais surtout le nouveau deck Control de Kamigawa, avec le fameux, moi j'appelle ça un poney, vous l'appelez comme vous voulez. Oh oui, c'est un poney céleste. Un poney céleste, exactement, qui a des spécificités plutôt sympathiques. Avant toute chose, n'hésitez pas à dérouler la description pour nous suivre sur tous nos réseaux sociaux et anticiper la confiance, mettre votre meilleur pouce bleu et partager dans les commentaires pour référencer un petit peu notre vidéo et nourrir l'ogre YouTube. Merci beaucoup. Yes. Et puis nous soutenir avec nos sponsors. Exactement, merci beaucoup à Plenima et Magic Bazar, code VLPL 2022 sur la boutique. Toujours 50% de points de fidélité supplémentaires quand vous l'utilisez. Ça nous soutient, ça régale. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'il y a dans Hinata Control? C'est un deck contrôle un petit peu classique comme vous pouviez le connaître. Je pense typiquement à des decks Izet Dragon qu'on a déjà joué par les mois passés. Sauf que maintenant vous rajoutez Hinata, Souverain de l'Aube et Magma Opus. La synergie, c'est que Hinata, c'est une 4-4 vol piétinement qui va taxer les sorts de votre adversaire. Et vous, tous vos sorts coûtent 1 de moins à lancer pour chaque cible qu'elles ont. Un Magma Opus, quand Hinata est sur le board, c'est au minimum 3 mana. Et au mieux, vous pouvez le payer 2 mana. Mmh. Parce qu'en fait, il y a plein de cibles légales à Magma Opus. Les deux terrains que vous allez engager, les deux joueurs que vous pouvez cibler. S'il n'y a pas de créature sur le board, vous pouvez cibler votre propre Hinata avec un point de dégâts. Ce qui fait que du coup, vous castez votre Magma Opus pour 3 mana. Si jamais il y a une créature sur le board de votre adversaire, elle coûte plus que 2 mana. Et le but, c'est d'abuser des effets d'Hinata avec des cartes qui ont plusieurs cibles. Je pense à Impact Fracas Crâne, je pense à Inscription de Perspicacité et notamment à Magma Opus. À côté de ça, on a une shell tout à fait classique contrôle avec des dragons d'Orpon pour pouvoir aller mettre de la pression et s'accélérer. Et puis après, tout le package de contre, de piocheurs et d'interactions qu'on connaît naturellement dans les decks Z contrôle. Yep. C'est vraiment très solide. C'est vraiment Kamigawa qui est venu ajouter quelques cartes à un deck qui a été nerfé pour le remettre au goût du jour. Mm. On ne joue plus Z Turn. On joue IZ Control, Splash Blanc pour Hinata avec Posture Valeureuse, des Magma Opus. Je trouve ce deck très très joli et c'est assez puissant. Mais tu as tout dit, Val. Vraiment, bonne petite présentation là. Très, je vais même jouer ce deck, comme tu me l'as bien vendu. Je pense que tu vas bien t'amuser. À préciser que dans le side, on peut devenir un peu plus contrôliche avec Lyr notamment. On a toujours les Lyr et les Briscoques parce que ça reste des très très bonnes cartes. Mmh. Lyr, elle est pas dans le main deck, elle est plutôt dans le side parce qu'on a beaucoup de contre-sorts main deck. Ouais. Donc voilà, on va sortir nos contre-sorts contre les jeux créatures et rentrer Lyr, ce sera plus sympa. Toujours, hop, je fais petite modif, voilà, c'est plus joli. Et il y a pas mal de gestion, Sandroclasme, je vois, x4, 3 mains brûlantes, une fissuration de plus. Mais contre les decks très aggro, notamment mono blanc ou quoi, ça peut être des decks un peu mous quand même, Hinata. Tu vois, ça te demande quand même de setup ta Hinata pour que ton Magma Opus soit castable. Donc forcément, il faut se prémunir quand même contre les decks aggro en début de partie. Ouais, j'ai jamais fait attention à l'illustration de Sandroclasme d'ailleurs. Let's go. Ouais, t'y pars. C'est phase deck tech, hein. 3 minutes, on part en game. Hein. Mais parce que le corps principal de ce deck-là, la plupart des gens qui nous suivent depuis longtemps connaissent déjà. Mm. Donc forcément, ça allait plus vite, il suffisait juste de présenter les nouvelles spécificités. Mais tous les spells de contrôle, le nombre de landes avec les duels face card, le nombre de Jewelry Disruption, c'est des choses qu'on avait déjà vues sur d'autres decks IZ Control. Mm. Donc voilà, il suffit juste de rajouter Hinata, Magma Opus pour présenter ce nouveau deck, quoi. Yep. Negations. C'est une négation espagnole. Ah, du coup, on n'est pas 1700, on est 98%. Pour ceux qui ont vu la vidéo d'avant... Non, prank. Hmm. On garde, non? Ouais, on va la garder. On a toutes nos couleurs, on a petite negate, Celestu. Puis t'as ta combo si ton opo n'interagit pas. Tu fais tour 4 Hinata, tour 5 Magma Opus, détruis tout ton board. Ouais. GG. On met en rouge. Rouge, c'est ta couleur faible, donc déjà mets-le en bleu, ça c'est sûr. C'est sûr qu'on veut du bleu, ouais. Rouge, c'est ta couleur faible, mais... Avant, on a plus de blanc. Ah non, je dis n'importe quoi, c'est blanc la couleur faible. Mmh. Non, on a que Hinata et Posture Valeureuse. Ok, ouais, il a l'air assez beau là, c'est pas forcément interactif. Je crois qu'il joue le deck qu'on a joué dans la vidéo d'avant. Ok. Ça se fait des fois de faire un trésor avec ça ou jamais? Ouais, ça se fait, je pense. Bah, il y a des match-up où tu vas avoir du mal à compter sur Hinata, donc autant prendre le plan de jeu trésor, quoi. Mmh. Là, je le ferai pas, mais non, t'as déjà un tour 3 tout tracé. Si c'est l'astuce. Tu peux rester negate up. Qu'est-ce qu'il peut nous jouer? Il peut nous jouer un Planeswalker, un Tezzeret ou... Ouais, je suis pas pressé. Alors, Tezzeret, il peut pas le faire. Faut réfléchir. Tezzeret, il peut pas le faire. Il peut nous faire Teferi. Est-ce que Teferi, c'est un problème? Je pense que non. Bon, let's go. Je pense que je ferai juste Celestus, là. Ok. Et en plus, ça nous fait draw discard si jamais il passe son tour. Donc. Et le tour d'après, tu fais Hinata, Negation Up. Oula. Et ça, c'est pas mal.
Qu'est-ce qui drôle? Hydro. Genre Inata Negate Up, c'est. GG Wellplay, je crois. Ouais, parce que ça coûte un de moins, il y a une Ouais, négation. ouais, ouais. Oh, c'est vraiment bien, Inata. Peut-être que j'en ferai un général, le commandeur multi. Je pense que tu peux faire des dingueries avec ça. Ah bah avec tous les spells qui Voilà, ont et j'ai avec multi-cibles, ça. ouais. Ok, non alors il joue pas le deck qu'on a joué avant, il joue pas White Control, il joue White Aggro. Oui, je vais peut-être pas bleu, hein, finalement. Pour l'instant, ils ne montent pas de bleu. Soit il a pas de chance, Je vois pas trop comment tu peux jouer mono white, je pense qu'il joue white, mais à voir. C'est ce que j'en déduis, mais effectivement, j'en ai pas la preuve formelle, quoi. Il y a ta passe. Normalement, il ne la gère pas. Bah, Inata Negate, c'est juste idiot comme séquence. Et ouais, putain. C'est vrai que ça fait des sorties, des fois, c'est tout tracé, quoi. Bah, j'ai pas perdu beaucoup de matchs dans ma montée mythique, mais j'ai perdu contre Inata Control. Ouais. C'est contré. Et là, c'est perdu pour Et lui. c'est vrai que ça coûte un de plus à être ciblé en plus. C'est excellent. Excellent. C'est excellent. C'est Je vois excellent. ton petit sourire de. Moi, je savais. Non, je savais pas puisqu'on l'a pas mis dans le Non, mais top. genre, quand tu m'as présenté le deck, tu sais. Ah, je savais que ça allait C'est proposer genre. des bêtises comme Ah, je savais ça. que ça allait faire un truc comme Mais ça. pour le coup, moi, ça fait partie des cartes que je pensais que les gens surestimaient, Inata. Ouais. Et en fait, non, ça fait vraiment ce que ça propose, quoi. Là, je fais pas Magma Opus, hein, je passe. Bon, tu passes, tu peux lui taper deux landes, enfin, t'es tranquille là. Mais non, j'avoue que par contre, quand on me l'a présenté dans les spoilers sur le papier, on savait ce que ça faisait avec Magma Opus. Mais je ne pensais pas que c'était facilement réalisable, si tu veux. Ouais. Visiblement, ça a l'air d'être pas trop difficile à faire, quoi. Ça se fait. Peut-être que j'aurais dû garder un land en fait. Ça, c'est peut-être moins bien qu'un land. Ouais, c'est un peu. Enfin, là, tu vas juste dérouler, en fait. On s'en fout un Ouais. peu de ce que tu fais, quoi. Ok, phase d'attaque. Ouais, si. Le Même pas, feu, non? laisse-le poser d'autres bêtes, Ouais, hein. quoi, quoi. Là, il coûte déjà que 2, ton Magma Opus. Mais plus il pose de trucs, plus je m'en sers, quoi. Ouais, voilà, Enfin, c'est mieux ça. je m'en sers. Parce que là, je suis obligé de me ping, de ping Inata. S'il te pose la bête parade qu'il a dans la main, moi je suis bien chaud pour que tu la dégommes, quoi. Ouais. Il m'a mis deux bêtes, excellent. Ouais, tant mieux, on va toutes les péter. Bah tu vas Bon péter bah. automate et forgeron, hein. Il va se passer des trucs. Oh putain, non, tu vas tout péter. Ouais. Oh! Mon dieu! Magma au pu. Bah ouais. Alors, n'importe quel nombre de cibles. Une, deux, trois. Eh, moi je tuerais tout, hein, pourquoi tu le cibles lui? Ouais, attends. J'ai oublié qu'elle avait pris un marqué en fait. Oh, vas-y, cible tout le monde. Une, deux, trois. Yes, Confirmé. on va payer parce qu'on peut C'est n'importe payer. quel nombre de cibles. Ouais, c'est bon, tu confirmes 3 Ah du oui, coup. confirme 3, ouais. Ensuite, engager deux permanents. Ça et ça. Il faut que tu répartisses comme Deux, ça. confirmé. Et tu payes, Et ça coûte effectivement. paye 3 plus 2. Pourquoi ça te demande de payer 3? Parce que j'ai ciblé que 3 bêtes. Et 2 landes. Ah oui, t'as pas ciblé deux J'ai joueurs. pas Ouais. réparti les 4 blessures. D'accord, t'as pas réparti les 4, c'est pour ça. Et là, il a patch. Faut Ah que là, il a j'approuve un Magma vraiment Opus. perdu, perdu, perdu. 8 points. Je sais pas, je vais refaire Magma Ouais. Opus. C'est vrai que quand je me suis pris ça en ladder, je me suis dit. Ah, mais quand tu protèges Inata, vraiment, c'est Ouais. débilus. C'est clair. 1, 2, Tu peux quand 3, même Magma 4, 5, Opus en 6, réponse pour profiter 7. des dingues. Tu mets 4 face et. Ouais, ou alors juste au prochain tour, je le joue. Hein. Là, je perds ma créature. Bah dans tous les cas, tu vas la perdre. Ah, la créature que tu vas générer avec Magma Opus? Oh, quoi que je m'en fous. Ouais, mais du Oh, coup, je là, m'en t'as. fous, ouais. Ouais, tu t'en Du coup, il joue du fous. bleu, ouais, t'as raison. Tu t'en fous, ouais. Alors, lui. Ouais. Confirmé. Ouais, puis t'as plus ces trucs, hein. Ça et ça. C'est ça, hein. Confirmé. 5. Toi, tu vas retrouver un Magma Opus, tu lui mets 4 face. GG. Magma Opus burn. Mais tu burn à 8? Ouais, mais ça va vite. Ouais, t'inquiète. Ça va. T'inquiète, ça va. J'ai une 4-4 fly. Et là, il se dit, putain, il en a un autre. Réfléchis à te negate. Il peut te negate, serait Il fort. peut me negate, ouais. Ce serait vraiment fort. Ouais, Ouais, bon, bah, il part. ok. Putain. Il dit, ouais, non, ça, je l'ai pas, là. Ça, c'est ce que j'appelle une game turbo. La turbo game, ouais, c'est tout le contraire de la vidéo d'avant. Bon, Contre lui. il a pas l'air d'être interactif. Il joue white aggro. Tu peux rentrer des lyres et sortir tes Je rentre negates. Hein. fissuration. Ouais. Ça détruit un artefact, ça a l'air bien. Bah, double lyre et puis tu nous sors les Double bottes. Hein. lire. J'enlève les bots, j'enlève les negates, les joueurs ils sont des landes. Ouais. Et je rentre. Moi, je remettrais bien une negate, cela dit. Ouais, j'allais dire peut-être qu'une negate c'est bien quand Oui, c'est même. pas horrible. C'est que ça contre-synergise avec lyre, mais bon.
Bon, c'est une carte dans le deck. C'est ça, si t'as lire et que tu peux pas negate, bah tu t'en fous, t'as lire sur le board. Ouais. Donc c'est que ta vie va Lire bien. non banni, non modifié en standard. Hein. Non, ça va être vachement fort Donc la et bonne en lire. Hein. plus là tu recasses des magmas opus donc Ah oui. ça peut être un peu bête quoi. Ça fait partie des premiers decks. Encore une fois, craftez pas, attendez la data, attendez les points méta ou attendez les tournois. Mais c'est le nouveau deck Kamigawa qui m'a le plus impressionné moi quand j'ai joué contre. Le coup. Parce que déjà, en fait, il vient d'une base solide en fait. Les decks qui étaient déjà forts avant et Ouais. qui reçoivent des cartes de Kamigawa, comme Hearth of Midrange avec le dragon mythique blanc, voilà, il se passe des trucs assez facilement en fait. Yep, je commence par ça parce que j'ai pas de rouge. Mais ça modifie assez le gameplay pour que ça soit plaisant, je trouve. Oui, ouais, c'est vrai qu'en fait, un petit côté. Bah, en Ouais. fait, grossièrement, ça essaie de refaire ce que ça faisait avant, c'est-à-dire un pack contrôle qui avait un côté combo. Ouais. Enfin, contrôle Un tempo, pack contrôle, mais qui va faire qui des veut gagner du absurdités, la temps. game. Mais là, c'est plus contrôle que ça ne Oui. l'était avant. Et c'est plus Parce facilement que. disruptable quand le deck Voilà. sera connu que Izzet Turn. Genre, c'est une 4-4 pour 4, quoi. Ouais. Même si elle coûte un de plus, c'est parade 1 finalement, donc c'est pas. Moi, je passerai le land bleu, je passerai le tour. Ouais. J'aime pas trop faire les itérations T2, même si des fois, faut les faire quand vous avez pas les lands, hein, Voilà, on a les landes, mais ça ira. j'aime pas trop, quoi. C'est Giroc qui disait que les gens faisaient pas assez souvent itération expressive tour 2. Et bah, je fais partie de ces gens-là, quoi. Genre, vraiment, j'ai l'impression que c'est jamais worse. Écoute, on va fissure sa forgeronne, je pense. Ouais. Oui, je vais éviter de le renvoyer en main. Je Ouais. peux itération ou Celestus? Je crois que je préfère Celestus avec espoir. Ouais, ça me choque pas du tout, Celestus Espoir. Cela dit, ça marchera pas sur l'automate. Non, non, mais c'est pour autre chose, quoi. Ok. Bah, c'est vrai que quand tu set up Celestus, Hinata devient bien plus fort quand tu aggroves derrière. Ouais. Donc, genre là, si on la pioche. Bon, on n'a pas de quoi la. Ah, si, on a de quoi la protéger avec posture. Trop fort. Parce qu'au Le début, je me suis dit, ouais, c'est bizarre posture comme ça. Un, bon. Et non, en fait, c'est pas bizarre. deck est stylé, hein. C'est vraiment stylé, ouais. Ok, automate Et en face. plus, ôte-moi d'un doute, mais c'est pas très cher comme deck, genre si tu veux le monter en papier. Ça dépend combien ils vendront le Ça. prix d'Hinata. Les magma opus, moi c'est une carte que j'ai récupérée pour des clopinettes quoi. Ouais. Mais si ça devient méta, Oui, mais c'est ça une peut grosse coûter cher, mythique à ouais. récupérer d'un set pas très ouvert, tu Je me vois. disais, à part la mana base, du coup, il y a beaucoup de bilan de. On fait C'est pas beaucoup de Communion Co, on fait quoi. pas de call investissement, mais si vous sentez que ça a un deck à potentiel, récupérez vos magmas maintenant. C'est clair. Je passe et je draw, ou alors je joue ça. Merde, non, j'ai T'as landé, je déjà crois. landé? Non, tu peux passer les draws, ouais. Je voulais passer, garder tout up, c'est pour ça, mais. Non, c'est pas. En vrai, je pense que tu peux juste un peu pousser les cartes, tu vas gagner ce match-up, je crois. Il est assez lent et nous on est Ouais. assez patato donc. Bon, ben voilà. Tour d'après, tu poses Hinata, tu protèges, t'as gagné. Hein. En plus, on peut la renvoyer en main. Ah, c'est vraiment. Bah, Je voyais ce que ça faisait, mais genre quand je l'ai dans la main, je dis ah non, mais Mais vraiment. moi aussi, de toute façon, dès qu'on a vu le spoiler, on a dit Magma Opus, ouais, ok, ça Ouais. fait des trucs dégénérés, mais en même temps, ça prend anti-bet, c'est dur à setup. Et en fait, les gens ont juste trouvé le moyen de mettre des cartes autour d'Hinata qui sont indépendamment puissantes, mais qui la protègent. Tu vois? Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, Hinata, quand t'as Celestus, que ça te permet de faire negate up tour 4, ou quand t'as posture valeureuse ou espoir volatilisé pour la protéger, c'est tout de suite plus impressionnant en fait. Et ça, c'est vrai qu'à la première lecture, on n'avait pas ces spécificités-là, quoi. Peut-être qu'il reste contre-up, ouais, m'étonne pas. C'est pas très grave, cela dit, hein. Genre, il Non. faut qu'il l'ait, quoi. Parce qu'à un moment, toi, t'arrives à tes landes et tu les castes à la main, tes opus. Ouais. Et ouais, il y a ce côté un peu inévitable de bah, tous les tours je land et. Bah en fait Hinata, même si je l'ai pas, juste. Ouais. Parce que Magma Opus reste un spell très puissant quoi. C'est un deck à 30 landes avec les DFC, je crois. Il y a 22 landes, plus 3 impacts, ça fait 25. Plus 3 dangers des champs d'épique, ça fait 28. Plus 2 Jewelry Disruption, donc c'est un deck à 30 landes. Hein. Donc tu arrives à tes magma opus à la main, hein, assez Ouais. facilement. On va faire itération. J'aime bien le côté automate de son deck, et c'est peut-être une espèce de midrangisation du deck qu'on a joué avant. Ouais. Peut-être pas idiote, quoi. Ouais, genre tu vires les Domskar, les trucs comme ça, tu passes vraiment en mode Ouais, les sphères qui créature, font draw quoi. des cartes, même si elles sont bien. Bon petit Peut-être. crap, ça. Ah, il a l'air de jouer vraiment le même deck, mais juste avec des options patates. Ah, tu peux. Ah non, tu peux pas. Si, tu peux danger en réponse pour tuer sa forgeronne. Ouais. Ça mange pas de pain. Hein. Oh, ça meurt, hein.
Oh, je pense que le pain sera pas mangé, non. Mangez pas le pain. Mangez pas le pain. Vous demandez. Enfin, si c'est l'heure, mangez le pain. Mais si c'est pas l'heure, mangez pas le pain. Ouais, est-ce qu'il va piloter son automate pour t'attaquer à l'Elias? Ça veut dire que tu pourrais être Ouais. pas volatilisé dessus, mais tu lui redonnes des marqueurs pour draw. On a 17, je vais plutôt accepter de prendre. Parce que là, sur mon. Enfin, y a pas grand chose à faire. Ouais. Donc je vais garder. Enfin, je vais voir avec mon itération ce que je trouve. Et si je trouve rien, je serai content de bouncer ça. Ouais. On va garder les landes. Bah là, je vais itération, donc je crois que je vais pas garder le land. J'ai ça qui gère, ça qui bounce. Ouais, mais ça veut dire que sur les cartes que tu vois, t'es obligé de garder un land du coup sur ton itération. Bah, en fait, celle que j'exile, c'est. Ouais, peut-être que j'enlève posture du coup. En vrai, Ou non, même en fait, si j'enlève même, espoir. même ouais, même si t'as deux landes, c'est pas grave, je pense. Bon, je peux la protéger, mais. Ouais, moi j'attendrai que t'aies un opus à mettre derrière, parce que Ouais. du coup quand t'as beaucoup de mana, tu fais Inata dans opus instantanément quoi. Je prendrai l'inscription, ça marche avec Ça Inata sera aussi. dans ma main. Et puis tu vas poser un dé de land quoi. Ouais, je vais poser lui en bleu, je crois. Ouais, donc tu peux exiler. Bibliothèque. Bah Inata inscription le tour d'après, ça fait déjà un énorme taf. Hein. Inscription, parce qu'il y a deux créatures ciblées, donc ça coûte 2 de moins. Et un joueur ciblé, donc ça coûte 3 de moins. Ouais. Donc ça coûte 5 mana pour faire les trois, tous les effets. Pas mal en vrai. Puissant. Ouais. Ça, je crois que je garde pas pour Et protéger au Inata. pire, si tu veux juste bouncer deux cartes, ça te coûte 2, hein, inscription. Inata, je bounce 2. 6 quoi. Oui, si je fais pas le Ouais, kick, si tu ouais. fais pas le kick. Si je grid pas. Un joueur ciblé, renvoyé, regard 2, puis piocher. Ah, ça te cible pas sur le regard 2, piocher 2. Non. C'est peut-être pas ultime l'inscription. Peut-être qu'on peut s'en passer dans le Non, mais deck. ça fait des trucs, hein. Oh, le pilote. La pilote. Genre en fait, est-ce que tu veux tout synergiser avec Inata ou tu veux juste jouer un deck contrôle qui casse Inata et Opus? En fait, t'as le choix. Et suivant l'adversaire, à mon avis, soit tu dis ok, je mets tout sur Inata parce qu'il n'a pas de réponse. Ouais. Mais est-ce que du Soit. coup tu joues des cartes qui sont fortes avec Inata mais indépendamment faibles comme inscription de perspicacité? Ah ouais, peut-être qu'il faudrait en cut. Je crois qu'il y en a deux dans la liste. Ouais, tu vois, Peut-être genre qu'une ça, seule suffit, on ouais. pourrait avoir un imbroglio de mixture. Pas un imbroglio de mixture, je dis n'importe quoi, c'est pas ça. C'est le truc qui se transmute pour deux, ça. Un Memory Déluge à la Je place. tue ça, non? Et je pense que tu vas tuer fort, ouais. Commence à prendre un peu trop de patates là. J'aurais dû attendre qu'il s'engage parce que là il peut faire un mana avec son prototype du coup. Ouais, c'est pas très grave. Il peut Ah contrer non, je ton suis con, spell. j'ai que Hein. 2 mana. Il peut contrer. Après, il faut que ça passe un moment, donc Ouais. tu peux toujours trouver Inata au plus et gagner la partie aussi. Donc, Oui, donc si je fais Inata, ouais, je peux faire Magma Opus. Je crois qu'il est de contre. Ah, fissuration, c'est bien aussi. Hein. T'enlèves inscription, là, tu peux pas la jouer, non? Ouais. Tu fais Inata, fissuration up et. J'ai 8 mana, ça coûte 9, putain, pour faire les deux. Ouais. Dommage. Crois que tu peux tout faire, non? Tu peux pas faire dragon, Inata et fissuration up. Ah non, tu peux pas. Ah si, tu peux S'il pile. me laisse attaquer avec dragon. Ah non. Si, Attends. enfin, s'il me contre pas. Si, parce que je vais faire un trésor, je sacrifie, je joue Inata. Ouais, et t'as plus de mana. Et j'ai ça, qui coûtera 1. Putain, t'as raison. Oui, t'as raison, je sais pas compter, pardon. Faut pas qu'il contre. Bon, dans tous les cas, Oui, s'il bah contre après, s'il Inata. contre, on a perdu, donc. C'est clair qu'il faut pas qu'il compte, mais. J'attaque ça plutôt. Ouais. Ouais, je pense que c'est PV, là, on s'en fout un peu. Ok. Donc là. Ah merde, mais je suis passé en phase d'attaque. Du coup, maintenant, je pourrais pas. Non. Bah, tu pourras quand même Inata en bloc, quoi. Ou alors juste fissuration up. Donc, c'est pas horrible, en vrai. Ouais, je crois que c'est mieux fissuration. Dans ce cas-là, faut le tuer maintenant, l'automate. Tu tues. Non, mais je vais tuer ça. Tu préfères tuer ça? Ah ouais, ça met plus de points. Ok. Mais du Enfin, coup, tu vas. je suis sûr de prendre 4 alors que là, je suis pas sûr. Tu vas être moins mana efficient, mais c'est pas très Non, bah, grave. je piocherai les deux. Ok. Ou alors, je tue maintenant le truc. Ah, tu peux prendre le truc maintenant pour piocher ta clou. Tu prends le mana maintenant pour Ouais. piocher ta clou. C'est pas mal, je pense. Faut Ouais. juste pas que ça te passe le tour derrière. Faut que tu puisses. Voilà, là, tu pioches ta clou. Bon, bah, Ok, nice. Vas-y, on je fait ferai ça. fissuration. Ouais. C'est chaud, hein. Là, on se fait un peu bourrer, ouais, mais on trouve pas les magma opus et Inata, il nous l'a contré. Ouais, ça fait partie des bons spots. C'est typiquement si ce deck-là devient populaire, on va avoir des boîtes dédaigneuses un peu partout et ça marche très bien quoi. Ouais. À bout des yeux, ça marche très très bien. Après, t'as toujours le plan de jeu là où tu trouves lire et Ok, il veut juste augmenter son. Sa patate. Ouais. C'est un peu naze.
Sa patate. Du coup, il va pas attaquer avec l'Elias, ça c'est chiant. Ah si. Si, si, Ah, ok. peut-être que je casse ça, du coup j'ai le mana pour payer le. Et non. Non, t'as Ah pas le non, mana non, pour du payer coup, la parce qu'il parade. coûte T'es 2, obligé de péter le brise-banque. Brise donc cette banque là. je pourrais péter un land avec les fissurations. Casse-le en deux. Ah, c'est vrai que tu peux péter ça le trésor. Oh, ça c'est vachement fort. Hein. T2, je pète ton land. Ouais. Là, s'il fait de points sur le trésor, bon. Après, il a eu tous ses contres au bon moment. Ok. Il a une version un tantinet plus agressive que celle qu'on Ouais. avait. Et bah, dans ces match-up là, c'est important, ouais. Ouais, du coup, je pense que les lyres, ça redégage. Trop lent. Oh non, c'est bien contre tout le jeu créature. Hein. Là, C'est tu pas mieux faisais. d'avoir des negates dans la on curve Non, là, ce que qui des nous. lyres plus tard? Non, je crois pas. Ce qui nous a tués, là, c'est. C'est ça deux parades, là. Ce truc parade. Parce que tu vois, ça on peut le contrer, Teferi. Non, mais là, tu trouvais l'IR, tu gagnes. Enfin, tu gagnes la partie, non? Ouais, en fait, c'est qu'il nous a un peu agressé, quoi. Trouvais Ouais. l'IR, franchement, tu le démolissais, hein. Enfin, il nous a pas agressé, ça a été très lent, mais nous on a rien fait, quoi. Bah, on s'est fait contrer On s'est fait Inata. contrer Inata, En fait, contrer il a le développé un plan de jeu anti-bait. tempo. Il a mis une menace qui a continué à grossir et il a contré tout ce qu'on a essayé de faire. Bah, c'est normal qu'il gagne, hein. C'était plus facile à faire sur Sur le le play, premier. cela dit. On regarde cette main. De toute façon, t'as Ouais, ça se 30 garde. land, tu peux rarement ouvrir des mains sans land. Peut-être l'en descend en premier. Ouais, je mettrais plutôt danger, ouais. Danger. Il va avoir du mal à refaire exactement cette sortie-là, quoi. Pas piocher nos dragons d'arpon là. Et encore que quand on les enchaîne, ils sont pas mauvais les bougres. Ouais, si on commence. Post-Johari, je pense. Jouari. La fissuration là, on veut juste pas prendre la 2-2 parade, là. Enfin, la 1-1 parade. C'est un enfer, ce carte. Ok, forgeron, on s'en fout. Jeune qui trouve rien. C'est rien. C'est dur, hein. C'est dur. C'est les stu? Bah ouais, on fera Dragon d'Orpon le tour d'après et on commencera à bourrer, quoi. Dragon d'Orpon en fissuration, c'est un bon plan. Enfin, c'est un plan que j'aime, moi, en tout Ah, cas. ça marche, ça gagne. Ouais, c'est bien, c'est bien. Là, il fait mana bleu passe. Alors, joue ton truc. Tu n'y crois pas toi-même. Yes. Un peu fort, ça. Animer une petite petit prototype. Il joue juste une Allons. version plus agressive de la note. Bah, il a un contre-sort du coup. C'est pas Ouais, mal mais de nous le c'est dire quoi. negate quoi. Bah, du coup, je pense que tu veux juste itération. Non, attends, je pense que tu veux itération et fissuration, non? Bah, je fais dragon. Bah, on va se prendre bot quoi, ou contre-sort. Ah, il faut qu'il ait bot, hein. Contre-sort, il peut pas le jouer. Il a qu'un mana bleu. Ah, donc c'est forcément bot. Il nous en a pas montré. Tu crois pas qu'il a un serpent dans sa botte lui? J'espère pas. Tu veux Dragon d'Orpon? Genre, on met tous nos œufs ou on Alors, essaie je de pense, dragon respecter bot? d'arpon, la fissuration, c'est win, hein. Franchement, bot, c'est une carte qui est dans tous les sides. Hein. Ah, il l'a pas. Il l'a pas? Ouais. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on doit jouer à Magic? Je te donne une carte si. C'est comme ça qu'on doit tourner une vidéo Valet PL, mais c'est pas comme ça qu'on doit jouer à Magic. Oui. Ok. Parce qu'après, il y a les commentaires qui disent la prochaine fois, respectez, s'il vous plaît. Bon, vas-y. Vas-y, vas-y. Hop. Comme ça, on est résultat anti et on dit que non, il faut jamais respecter. Il peut avoir Jewelry Disruption, je viens de me rendre compte. Il a pas que pote. Ouais, le Ah, crabe il y a le aussi. crabe. Ok. Oh putain. J'avais oublié le crabe. En fait, à partir du moment où il Non, fait mais pas il un joue pas 4-4, Jouari par contre dans son deck. bah c'est pas impossible. Non. Franchement. Ah, il joue pas Jouari. S'il joue aggro avec des Jouari, franchement. Enfin, aggro. Et Aggro Mifig. Dimir Tempo, il joue aggro avec des Jewelry, hein. Ah, c'est méchant. Ok. Bon, on prend une petite sauce. Et gros, on prend une Et énorme derrière, sauce c'est et en Dragon fait. d'Orpon et on peut tuer son bordel. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Franchement, pépouze, hein. On est pépouze là? Ouais. Ok. On est pépouze flex comme les céréales. Ok. Les pépouze flex? Alors, ça, c'est les céréales que seulement nous mangeons. Hein. Personne Oh, ne je mange peux des pépouze recycler flex. Magma Opus et Fissuration. Et comme ça, c'est nul. Bah C'est oui, vraiment mais bon, ultimement nul. imagine. Imagine donc. Je me Par demande contre, si je le fais pas maintenant en fait. on peut pas. Ouais, on peut pas faire Magma Opus le tour d'après par contre? Tant que vous contrôlez ça, je peux lui péter le bâton et ça redevient une 0-0. Ah, c'est pas mal alors. On est sûr que quand tu pètes le bâton, Ouais, ça ouais. redevient. Bah, vas-y alors. Tant que machin. Ah. Fais donc. J'ai détruit un artefact. Ouais. Bon, j'avoue que là, juste enchaîner les dragons d'Orpon, ça va nous faire gagner la partie. Donc. Ouais. Là, il faut juste qu'il trouve pas le moyen de piloter l'Elias, parce que si on reprend 7, ça fait pas plaisir.
Mais Il faut 3 de patates. Comment il trouve 3 de patates dans son deck? Puisque ses bêtes sont évolutives. Il n'y en a pas une qui arrive et qui a 3 de patates. Je vois pas. bâton noir là. Il Ouais, en trouve un, il bâton. anime, Ouais, bâton blabliblo. noir, Teferi. Mais sinon, je vois pas. Teferi? Teferi, Tezzeret, qui Ah ouais. animerait juste le Brisebank en tant Ah que ouais. créature. Ouais, du coup ça change rien parce qu'en fait c'est 4 points. Ce qui est chiant c'est s'il met une bête qui croue et du coup il y a une bête plus les points quoi. Mais s'il joue un truc 4-4 qui nous met 4, bon bah. 4-4-4-4-4. 4-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 4
Non, mais genre, le fait que ta farine avec un œuf et du beurre, ça fait un gâteau. Chimie, t'as fait de la magie, toi, t'as été en école de magie J'ai été en au école de collège. magie, ouais. Ah, j'ai cours de magie. Non, c'est de chimie, EPL. Magie! Non, c'est de la magie. Ah, mais je trouve ça fou, tu vois. Genre, Ah ça oui, fait c'est partie de la cuisine, mais genre, stylé, quand je ouais. fais cuire un steak, je vois bien ce que je fais. Je fais Oui. chauffer de la viande, elle Ouais. cuit. Alors que là, ça prend vie, tu vois. Ah, c'est Il vrai, se passe quelque quelque part. chose. Je me les gagne, ça. C'est ma chimique. Je Musique. prends, hein. Je me lis ou je garde? Mais non, tu enlèves, tu enlèves. Ok. Chimique l'assemblée. Oh putain. Vas-y, il est bien sympa. Tu veux jouer à Chimique l'assemblée? Je garde bien le magma opus, t'inquiète. Oh oui, t'as raison. Non. Enfin si, je sais pas, faut que je Bon. dise oui ou non. Bah, comme tu veux. Comme Parce que la chimie, je. c'est de la magie. C'est comme si tu proposais de jouer à Magic, quoi. Ok, bah ouais, jamais alors. Il est beau son Val de Rocherie, hein, quand même. Bah j'étais en train de me dire, là il est beau, mais là il est moins beau. Eh ouais. Putain, vraiment, je lance ça quand il me joue maintenant. Oui, tu peux. Ouais, tue-le. Ah Ah, tue-le. C'est bon, Ah si, si, tue-le. si, si, Comme si, ça, là. si, Bam! si, si. De toute façon, tu vas Oh. juste faire Célestius Dragon d'Orpon. On a vu que ça marchait Là, t'as sur vu les Gundam. couleurs? Et joue Nair. Je m'en rate. Qu'est-ce qui se passe? Là, c'est la vidéo de trop. Mais qu'est-ce qu'il fait, lui? Qu'est-ce que tu fais, toi? Célestius. Alors, parce qu'à un moment. Célestus. Pourquoi il joue Vampire Accueillante dans son deck Naya? Bah pour piocher des cartes, rien. Aïe, ouais. Je vois bien, hein, mais je me pose quand même la question si tu veux. Deux points. Lui, il va nous donner plein de cibles. On va bien se gloutonner, on va faire miam, comme ça. Faut réussir à le caster. Est-ce que ça te dérange si je joue un dragon d'Orpon? Non, vas-y, j'adore. J'y vais. J'adore les dragons d'Orpon. Là, je sais. J'en ai quelques-uns chez Quand moi. je. Des dragons d'Orpon. C'est des gros dragons. Quand je l'ai vu à la game précédente dans l'autre main, je lui dis, mais qu'est-ce que ça fout là en vrai? Et là, je me dis, ah, c'est Allez, bon, je sais ce que je ça sais ce fout que là. ça fout là, t'inquiète. Excellent. Mec, je vais juste contrer en fait. Après, on pourra bientôt Magma Opus, hein. Je trouve l'angle d'étape, c'est Magma Opus. Oui. C'est pour ça que j'ai pas pris le malin pour piocher. Oui. Pour être port. Oui, c'est vrai. J'essaye d'être port, hein. Il dit peu non. Du coup, tu proposes. Ah oui. Aïe, aïe. Quand le porc propose, il porpose. Putain, ça m'énerve qu'il joue Vampire Accueillant dans ce deck-là, putain. C'est pas quand le porc pose justement que Qui porc pose? le porc pose. Est-ce que tu photographies un porc? Ou juste il pose quelque chose, un objet, tu vois, avec ses petits sabots comme ça, il prend un truc, il le. Hop. Bon, Dragon d'Orpon et on fera Oui, ouais, c'est bon, hein. Espoir volatilisé. Non, Pas mais de parce bande que toi. on fait genre qu'on réfléchit, mais en fait, il faut juste pousser les cartes. Faut Oui, juste les oui, pousser oui. dans le bon On a sens. bien vu que la game d'avant, ça a Ce qui nous marché. intéresse maintenant, c'est plutôt comment on fait un 3 quarts. Mais pour qu'il ressemble à un Ah 4 si, quarts. si, Juste mais pour pouvoir faire vraiment, chier les collègues. je me dis, est-ce que ça change beaucoup ou est-ce que ça change un peu? Ça change juste dans la manière que tu as de le présenter, mais je pense que dans le goût, ça change pas tant. Et Après, sinon, ça dépend ce que tu oublies, quoi, comme ingrédient. est-ce que on peut pas faire un truc? C'est que au lieu de mettre 4-4-4-4, tu vois, pour le 4 Vous quarts, cassez les couilles tu longtemps, mets que oui. 3-3-3-3 Je me permets. Hein. et tu dis non, j'ai fait un 3 tiers. Mais C'est pas du tout la même recette. du coup, il manque un truc, c'est dégueu. Bah, on va bouncer son Qatar, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais. Comme Donc là, si je on dis avait. oui. Oui, comme si on avait quelque chose à faire de ce qu'il nous propose là. Il pioche. Il va attaquer. Je boon, je trade son vampire. Il a perdu. Let's Oh non, go! n'aie pas un truc, s'il te plaît. Ça m'emmerderait. Ah, mais t'inquiète, il a juste une posture valeureuse. Ou une face full absence. Posture valeureuse, je refais un trésor, donc je suis content. J'adore les trésors. Est-ce que tu adores les Smax trésors? J'avais beaucoup mangé étant jeune. Non. T'aimes pas trop? D'ailleurs, si tu veux, on Ça fera bourre vite. une. Non, ça c'est l'acteur avec Louis de Funès. Joueur de Magic aussi, du coup. C'est le bourre vite. Eh oui. Tu m'as dit quoi? Les Smacks? Oui, si tu veux, on fait une tier list un jour des Des céréales. céréales. Je suis très arro sur certaines. Ça fait très longtemps que j'en ai Genre, les pas Smacks, mangé. c'est dégageot. Je les défendrai pas. J'en ai beaucoup mangé, Je mais les laisse tomber. non, non, mais c'est vrai. Je prendrai pas une balle pour elle. J'en ai beaucoup mangé, mais je les défendrai pas. Parce que maintenant, quand j'en mange, Oh, c'est de la je merde en suis fait. très écœuré et ça ramollit très vite. Et un Smax ramolli n'est quand même pas très très bon. Oui, parce qu'il dit c'est smaxement bon. Non. Non, pas des masses. Pas tant que ça. Et moi, par contre, ce que je défends fort, c'est Golden Grams. J'ai Ah, beaucoup Golden aimé. Grams, on est d'accord. Beaucoup aimé Golden Grams. Des fausses Magma Opus, du coup.
Bon, tu peux juste vider ton cimetière pour lire, au pire. Ah, mais non, mais on n'a pas On l'a lire pas. game 1. Oh, bon, Zef, s'en fout. En vrai, ça mange pas de pain. Putain, mais il a perdu, quoi. Je pense qu'il a juste du père, ouais. Vas-y, il fait rien, ton loulou, là. Alors... Ah oui, bah oui, je suis con. J'allais dire en réponse, faut au moins prendre ton mana, mais non, rien à foutre, quoi. Non, c'est une 3-3. Combien... T'as vu, la petite pause, c'est... Ah, merde. Il est Je au reconnais courant. celle-là. Bah, tue-le. Tue seulement. Pour beaucoup de mana. 3 points, 1 point. 3 points, 1 1 point. point et tes 2 mana là, ça dégage. Et tu me Ça, files aussi ton ça. blouson et ton futal. Ah ouais, puis j'aime bien tes pompes. Oups. Eh oui. Eh oui, oups. Putain, j'ai l'impression de revenir un an en arrière. Genre en avril, quand Strixhaven est sorti et qu'on faisait des dragons d'or dans Magma Opus, on était là en mode. Excellent. Vraiment avec ce bruit, hein. Eh oui. C'est pas de quoi ça, 3 points de vie? C'est cher? Tu veux pas les prendre là? 3 points. Mec, hein. Je fais une petite carte là. Mec, si tu le faisais, on avait l'étal. Ah ouais? Je crois. Pas. Bah non. 8, 15, 6, pile, Ah si, pile, avec le nom. merde. C'est pas grave. Je préfère casser le magma opus, beaucoup plus Bah drôle. oui. Comment on fait quand on le casse? Comme ça. Excellent. C'est vraiment toute personne qui casse un magma opus le sait. Vous avez forcément ce rire automatique qui sort. Est-ce que c'est C'est possible de rester obligatoire. stoïque? Bah vas-y, c'est encore une 3-3 initiative. C'est possible de rester stoïque face à quelqu'un qui, quand il joue à Magic, rigole comme ça en te faisant un gros spell, genre. Pense-t-on? Je pense que j'ai beau être extrêmement calme à une table, je Si, crois que je dis, oh vas-y, ferme-la. si j'en traîne de te démolir, c'est très Je suis. gênant. Je l'accepterai seulement dans un cas, le Je crois corner qu'il faut que case. ça sorte, et même lui me dirait, c'est normal. Non, non, vraiment, moi je n'accepterai ça de la part de mon adversaire, c'est-à-dire qu'il me rit au nez de manière très désagréable pendant qu'il me bourre, seulement si c'est avec un magma opus. Ok. La carte top Genre, 3. s'il rigole avant, tu commences à dire oh putain, et il joue Magma Opus, tu fais ah Ah, ça ça va. J'étais en train de déclencher va. Ouais. J'avais monté la main, elle allait retomber tout de suite, mais c'est bon. Ici, oui, je Du sais. coup. Et ici, confirmer deux, je vais t'engager ça. Et ça. Vraiment, c'est le Magma Opus top 3 le droit Tu peux rire. d'être véhément avec ton Ouais. adversaire. Je valide. Trop bien ce jeu. Ah merde, je l'ai engagé, du coup je lui donne un trésor. C'est marrant, hein? Ouais. Du coup, tu veux faire un ho 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 aussi ou... Oh! Ah bah on va la perdre du coup. Même si je le tue. Oui, ouais, t'as quand même gagné, Kozef. Oui, c'est pas grave. Je pensais qu'il y avait Ah une... non! Eh Ah non, tu non, tu vois. la perds pas. Ah bah du coup, mea Excellent. culpa. Excellent. Excellent! Entre lui et l'autre qui exile là, le Skyclave, je Oui, me je suis suis du père. trompé Par en contre, cube. Skyclave, si tu fais ça, tu perds ta Ouais, carte. et du coup je me suis trompé et j'ai perdu ma carte sur Ah, Skyclave. Et ça j'ai dit, eh ben fait... excellent. Ça, c'est dommage, ouais. Oula, toi, tu veux pas sailer? Pourquoi tu fais terminer? Parce que je suis pressé à faire mon 3 Ah oui, tiers. non! On voit Envoyer donc les 3 œufs qu'attendent. Envoie fissuration main brûlante, lire, on va sortir tous les contres. Et voilà. Bottu. Negate. Negate-tu. Et Dragon Dampon. non, Dragon d'or pas E, c'est bien ça. Pour enlever Ah, inscription c'est de déjà bien ça. perspicacité, non? Ouais, Inscription, je excellent. pense que c'est une mauvaise carte dans le deck. Inscription. Je pense que l'idée c'était de synergiser avec Sinata, moi. Avec Hinata, mais Synergiser que. avec les synergies. Ouais, il n'y a que Naruto qui synergise avec Hinata en fait. Je pense. Oui. Et encore, il met Oh, longtemps. Neji un peu. Il met longtemps à s'en rendre compte, quoi. Et mi synergie, c'est plus Neji. Yeah. Désolé Mouligan. pour ceux à qui on Oh doit non, non, spoiler Naruto, ça Naruto. fait 1000 ans, Oui, c'est bon. c'est, je pense que ça Oh, rentre au dans bout les d'un moment, tu œuvres peux pas te plaindre. que tu ne peux plus spoiler, normalement. Mulligan. Et encore, je suis plutôt team Never Spoil, parce que y a toujours le mec qui dit ah ben je m'y suis mis, et Je là m'y il suis fait mis. eh ben j'ai envie de crever. Et il a le seum, effectivement. Mais, visiblement, de toute façon, plus personne ne regarde Naruto, parce que maintenant il y a Après. Demon Slayer, t'as vu, c'est beaucoup plus beau en fait. Oh Demon Slayer, vous avez vu cette animation comme c'est beau, c'est mieux que tous les autres mangas du monde. Hein. Ah non, je peux pas. Twitter, franchement, Ah, calmez-vous. les parents, s'il vous plaît, enlevez le compte Twitter de votre enfant s'il a 13 ans. Vraiment, c'est. Ou alors vérifier ce qu'il écrit. C'est Parce que ça insupportable. fait du mal aux gens. Ah ouais. Non, c'est beau, hein, Demon Slayer. Nous, on n'est pas Ah, là. c'est très beau. On n'est pas là pour. Mais quand tu fais croire que Demon Slayer, c'est au-dessus de tous les animés du monde parce que ça a une belle DA, nous, avec PL, voilà, on trigger fort. Ah, On c'est dur. fait passer un message ici. Surtout les commentaires que je vois passer, genre rhabillez-vous avec l'attaque des titans, parce que Demon Slayer vraiment grave au-dessus. Ouf. Ouh que c'est dur, hein, c'est dur de lire ça. Remballez vos Naruto. Oh Non, putain. non, ben non. Laissez-nous les Mais en fait Naruto. non, putain.
À ceux qui regardent pas les mangas, là, ils savent pas trop. Ils ont pas Twitter, ils regardent pas les mangas, ils disent oh là, qu'est-ce qu'ils disent. Alors, je m'en fous. Qu'est-ce qu'ils racontent. Je m'en fous. Bon, c'est l'astuce, on va te montrer. Et je mets un mana blanc, comme ça, je monte bien. Oui, toujours, je vais mettre en couleur. Tu le dis. Non, mais c'est vrai qu'il y a ce petit débat en ce moment sur Twitter, vu que la DA avec l'animation de Demon Slayer est incroyable. Ça, par contre, je leur enlève pas, c'est vraiment fantasmagorique comme c'est beau. Hein. Je sais pas comment ils ont le budget de proposer des animés, pas des épisodes aussi bien animés. Mmh. Attention, je leur enlève rien. Mais par contre, chier sur tout ce qui existe à côté, juste parce que c'est beau, pas ce pro. N'est pas faire preuve de sens critique, de pas faire preuve de recul, d'objectivité, et surtout, d'adorer les beaux paquets cadeaux sans regarder ce que ça contient. Oui. Tu vois, ouais, et ouais. Ça m'embête un peu quand même. Ouais, dommage. Voilà. Dommageable. C'est vrai qu'avec Père, en ce moment, on a un combat, on a une croisade, et il fallait qu'on en parle. Tous les dimanches soirs, je suis révolté. Allez, je comprends. Ah, maintenant, c'est fini. Et tous les lundis, j'en parle à Val. Mais on n'est pas révolté, Demon Slayer, moi j'aime bien, hein, mais je suis révolté. Non, révolté de Twitter. Voilà, je suis révolté de ce que les gens pensent. Ah ouais. C'est bien ce petit format talk là, j'aime bien. Alors que quand tu regardes un truc juste divertissant, tu vois, comme les Avengers, tu fais pas passer ça pour un film d'auteur, tu vois. Tu te dis, bah j'ai bien aimé pour ce que c'était. Oui. Du cinéma, grand public, de très bonne qualité. Enfin, ça c'est sujet à débat évidemment, mais je sais pourquoi je l'ai vu et je sais pourquoi j'ai aimé ça. Je te fais pas croire que c'est du grand cinéma. Y a pas d'arnaque. Y a pas d'arnaque, exactement. Oh là là. Bah écoute, on va faire lire Into. Bah j'ai fissuration, up. Into fissuration, ouais, je pense. De toute façon, lui, il va pas trop gérer ce que tu proposes. Hein. J'y mets 4 ou pas? Je peux bloquer avec ça. Hein. Moi, je pense qu'avec Toski, t'as pas envie de le faire piocher plein de cartes quand même. Donc. Ouais, donc non, pour l'instant, on ouais. Pas. Moi j'aimerais bien qu'il pioche qu'une seule carte, qu'on bloque toutes ses cartes sauf Toski. Je fais posture valeureuse, tu m'abêtes. Il est chiant lui. Hein. Il est chiant. Est-ce que je tue ça? Ah oui. Oh il est chiant quoi. Ouais. Et comme ça on va en bloquer. Il va quand même draw deux cartes hein, si jamais il décide de... Ah il draw deux mais il perd deux bêtes. Hein. Ouais s'il décide de bazar de son board. Ouais. Non je pense là il veut buffer Toski tous les tours avec ça. Il aurait bien raison. Là attaquer c'est pas bon. Attaquer avec tout. Ouais. Ouais écoute, je vais quand même donner lire plutôt que. Non, je donne plutôt ça en fait si jamais il y a un tricks. Ouais, je pense que lire c'est quand même plus fort sur le long terme. Ouais. Là, Hinata c'est bien si tu top deck Magma Opus, mais. C'est bon. Oh, bah ça c'est ultime. Oh, je vais le chercher. Bah ouais. Puis tu vas le chercher deux fois avec lire. Je pense que je prends dragon, fissuration. Ouais, je veux ça dans ma main. Impact aussi c'est pas mal réduit vu que tu peux avoir deux cibles. Enfin, pas mal. Et X égale 2 de moins quoi. Ouais, je fais pas de dinguerie, hein, vaut mieux ça, je non, crois. Ouais, je pense que tu préfères. Quoique, je tue deux bêtes en fait. Deux mana rouge, deux mana, donc je fais deux blessures et ça réduit deux, donc je fais. Je tue ça et ça. Si, c'est mieux. C'est mieux? Ouais, dans votre bibliothèque, fissuration. Ok. Si bah, j'ai bien ouais. Compté, hein. Bah, je pense que t'as bien compté, ouais. Je vais dire, pourquoi je peux la recaster? Bah, parce que lire, c'est pété. Ça. Tue deux bêtes, mais il va draw une carte avec son Toskill tour d'après, ce qui X égale 3. Commence à être un chouïa chiant, quoi. Là et là. Ouais, c'est ça en fait. Pour 3 mana, c'est comme si t'avais payé un pacte à 5. C'est j'ai toujours sur valeureuse up et ça a failli me garder un mana bleu. C'est très décevant. Ça aurait été. C'eût été décevant, ouais. En réponse, je tue Hinata. Proposer des plays subversifs comme ça à votre adversaire où il se dit du coup, qu'est-ce qui se passe. Moi, ça m'est arrivé. Comme Demon Slayer ça m'est arrivé plusieurs fois en AP. D'avoir des plays subversifs de la part de mon adversaire. Ouais. Et ça m'a déstabilisé. Et du coup, t'es perdu. Ça m'a alors, déstabilisé. Un play subversif, c'est un play nul que tu ne comprends pas, mais qui du coup te fait perdre du win rate parce que tu cherches à comprendre. Très important. D'ailleurs, j'ai utilisé subversif, je suis pas sûr que ce soit le terme, en vrai. J'ai plutôt dit ça parce que ça sonnait si, bien. Si, c'est comme les épisodes de Demon Slayer. Je trouve que le manga, il est beaucoup trop subversif pour son temps. Merde. T'es au courant qu'avant l'animation. Ça moisissait dans les armoires, Demon Slayer. C'était pas fini. On s'en battait aussi. C'était pas fini. Ils avaient pas voulu qu'on le finisse. Il s'est arrêté, le gonze. Il a dit, oh, j'arrête, je give up. Ah, personne ne le lit, de toute façon. Ouais, mais c'est normal 4, que personne ne le lit. On en a 15 des shonen qui racontent la même chose que le tien. On prend 4 et tant pis. Merde. Jeudi, oui, bah oui. Ah bah oui. Jeudi, vendredi même. Ah bah tous les jours. Je dis les choses, putain. On ne gère que mal, hein, Toski. Tu te rends compte quand même que Twitter me pousse à... détester et stigmatiser un manga qu'en vrai j'aime beaucoup. J'aime bien moi Demon Slayer. Mais ouais, mais. Mais ça m'énerve les contre-vérités. Et moi je suis un peu ce genre de personne un peu anti-mainstream, tu vois. Et moi je suis pas. Genre j'accepte que ce soit mainstream, mais j'accepte pas qu'on me vende ça comme. Quand ça ne mérite pas, tu vois. Ouais.
Non, mais je sais ce que ça vaut. Et ça vaut Je un peux le très tuer ou bel pas? animé, Non, quoi. je peux pas le tuer. Ah, si, tu le tues. Ah non, c'est Non. l'endurance. Pardon. Mec me fait des pranks. Est-ce que je vais jouer ça? Oui. Oui, Dis-moi. puisqu'au pire je fais Dragon d'Orpon. Mais t'as gagné la partie, là. Viens, on continue notre discussion. Ouais, c'est plus intéressant. Genre, j'adore Demon Slayer. Mais pourquoi vous me le vendez comme Je le plus grand manga de tous les prends temps, putain? ça dans ma main. Merde. Bazar d'Hinata et tu récupères le land, quoi. Ouais, mais du coup je peux pas Dragon d'Orpon. Le land. Ah C'est bah, pas grave. 11F. Ouais, 11F. On s'en fout quoi. Ah non, mais Dragon d'Orpon, du coup. Ce sera meilleur, là. Bah sinon je peux faire impact à 1, 2, 3, 4. En landant, je peux faire impact et je tue ces deux bêtes. Ok, et Et le tu reprends Kotoski qui un attaque. Kotoski. Ok, vas-y. Après il a ça qui tourne, c'est chiant mais bon. Ouais, dans tous les cas, je pense que tu vas gagner la partie. Faut vraiment une séquence un peu improbable pour pas. X égale 5, t'as besoin de payer autant? Trois et deux. Ok. Mais je peux. Ok. Ah ouais, avec Hinata, c'est pas. C'est pas rabaissé de 2, vu qu'il y a deux cibles? 1, 2, 3, 4. Ah oui, t'as engagé que 5 mana. Oui, ok, c'est bon. T'as engagé que 5 mana alors que tu aurais dû Alors en que j'ai engager fait que X égale 7. 5, ouais. Et Mais bah, je crois que comme je drôle. bloque pas, je commence à attaquer, hein. Ouais. Bah, je vois pas comment il te met 12 ici. Undercliff est plus dans le format, on est d'accord? Moins dans le format. Elle est Buckleave. limitée. Buckleave. Ouh, ça c'est une. Ça met 4, mais ça met pas 12. Ouais, mais attention, hein. C'est un bon moyen. De la main ou comme un grand ou. Non, du dessus du pack. Du dessus? Oh, oui, comme un grand. Justement, c'est là où il est grand. Ouais. Ouais. Après, posture valeureuse, ça tue très bien les dragons. Faut quand même trouver un petit magma opus là, rapido. Ah, rapido! Oui, parce qu'on gagne, hein. Bah oui! Et là on perd. Et là, on perd. Putain, il suffisait de Oh! demander. Non mais parce que j'en ai plein le Alors cul là. j'ai failli attendre. Allez, 4, dragon, 5, tu me 6. bourres ça. Je bourre avec les deux? Attends, on n'a On va pas pas gagné en éclire, hein. fait. Si jamais tu tues le bloqueur, que tu mets dragon d'Orpon, que tu tues son bloqueur, tu rentres donc 8, 4, 5, 6, 11. 7, 8. On est one off. One off. Six, Parce que tu onze, peux pas douze. trouver une interaction avec itération expressive et caster quand même dragon d'Orpon et magma opus. Ouais, tu m'en demandes beaucoup là. Non mais c'est une question. Est-ce qu'on peut jouer dragon, Non. itération et magma? Magma ça coûte 2. Hein. Donc Ça coûte 2, mais je mets pas 4 du coup. Ah mais avec l'air tu le joues deux fois. Ça me bat les couilles. Allez, je peux te tuer là? Non. En fait, si je veux mettre le max de points face, Magma Opus coûte plus cher, donc non. Je crois que là, je fais juste 4 points passe et je vais faire double Magma Opus à son tour. Ah ok, ça me va. Bah 4 points passe, t'engages ces deux bêtes, c'est ça? Ouais. Il va quand même pouvoir t'attaquer avec traqueuse, cela dit. Hein. Ah non, tu vas Non, tuer je la vais. traqueuse, tu engages ces deux bêtes. J'engage ces deux bêtes, je fais traqueuse, ouais. Ok. Peut-être ça mangeait pas de pain d'au moins itération expressive, cela dit. Je peux pas de double magma en plus si je fais ça. Ok. Bah, prends le mana et fais ton magma opus avec. Hein. Ouais. Oui. Oh, hop, il y en avait peu. Ouais. Bah, il n'y en a qu'une, hein. Il n'y a qu'une seule île dans le pack. Il y a peut-être une montagne, mais j'en suis pas persuadé, je crois pas. Ok, donc magma opus. Ici pour 2 mana. On va engager Toski et Alors, Dragon. tac tac, confirmer 2, engager 2 permanents, tac, 3, confirmer, et du coup ça coûte, ouais, bon. Et si jamais il trouve un dragon d'Orpon, nous on a potion valeureuse pour le checker. Oui. Donc ça va. Normalement on est bon là. Oui, je pense. On va pouvoir aller bouffer. Oh j'ai faim voilà. Ah, moi aussi. Oh Dieu que j'ai faim. Ah oui, c'est vrai qu'il y a les anti-bêtes aussi. Oh, c'est trop. C'est trop, c'est trop ce Non, deck. c'est trop. C'est trop, c'est trop. Non, Val, c'est trop. Ah, c'est trop. Arrête. Je suis désolé. Arrête le deck. Ah, je suis désolé, c'est trop. Il est bon, hein. Il est incroyable parce qu'ils sont tous du dessus du pack. Bon bah tue-le. Hein. Tue seulement. Tu sais qu'il pense avoir gagné, hein. C'est ça que j'adore. Mais ouais. Par contre, s'il a Snake Skin Veil, il a vraiment gagné. Et c'est ça que j'adore aussi, tu vois. Du coup, c'est quoi le meilleur play? Bah non, mais c'est tué. Et s'il a Snake Skin, t'as perdu dans tous les cas. Tu peux pas séquencer correctement. Ah ouais, j'ai qu'un mana blanc. Ouais. Eh ben écoute, détruisez une créature. S'il a Snake Skin, c'est juste perdu Et bien joué, hein. et ça serait assez exceptionnel, ouais. Su! Yes, arrête tout prévu, Yes! nous! Yes, Fin de cette vidéo! putain, c'est le C'était meilleur deck! rigolo!
Pouce bleu, commentaire, partage, abonnement, réseaux sociaux dans la description, Twitter, Facebook, Discord avec notre chaîne Twitch. Dites-nous ce que vous Twitch, pensez de Demon Slayer. ValPL, Magic Arena FR. Dites-nous ce que vous pensez de Demon Slayer sur Twitter ou alors dans les commentaires. D'ailleurs, j'en profite sur Twitter pour ceux encore qui veulent pas venir, etc. Sachez qu'on fait en ce moment quasiment un concours par mois, voire plus. Donc, pour gagner des trucs, des figurines, des boosters, des trucs comme ça, des produits Ultimate Guard. Donc, n'hésitez pas à venir sur Twitter pour ne pas louper ça, parce que c'est gratuit de participer. Vous le recevez chez vous, zéro frais, c'est régalo. Donc, voilà, n'hésitez pas, le petit follow, ça régale. Chaîne Twitch, Valpé Magic, rien à faire, j'ai déjà dit. Dans la description, chaîne replay et tout, voilà. Et surtout, n'oubliez pas, c'était la belle magie. Merci beaucoup aux tipeurs qui soutiennent la chaîne. Si vous aussi, vous souhaitez nous aider, le lien de notre page est dans la description.